Par chance, la piste est sèche au moment de la tentative, mais le vent est encore violent. Ce qui n'empêche pas Monray de pousser sa machine à fond et d'atteindre bientôt 240 km/h dans les lignes droites en prenant ses virages à plus de 150. Tandis que les voitures viennent d'établir le record de l'année à 193 au tour, Monray réussit finalement la moyenne de 182, ce qui est finalement sur deux roues une étonnante performance.